aussi mouvant de. Alors là, c'est balèze, c'est sur Donald. Faudrait licencier ces fils de pute, il a dit. Mais c'est toi le fils de pute, Donald. C'est toi l'enculé. Donald Trump s'est lancé dans cette polémique. Quel est son intérêt de se mettre comme ça à dos tout le monde sportif? Alors écoutez, première chose, c'est pas un accident, c'est pas une gaffe. Donald Trump savait exactement ce qu'il faisait en employant le mot, la formule qu'il a employée. Donald Trump est en difficulté politiquement en ce moment, grande difficulté. Il n'arrive pas à passer ses lois. Vendredi en particulier, il avait subi un très gros revers sur la réforme de la santé. Et ce jour-là, il a décidé de créer une diversion pour mobiliser sa base, enflammer sa base. Alors mobiliser sa base à la fois autour du drapeau, le patriotisme, l'hymne national, mais bande de cons, c'est planétaire. C'est pas un pays, c'est pas une nation. Tout le monde devrait avoir le droit d'aller partout. Et puis la loi antiterroriste, là. Mais qu'ils aillent se faire enculer. C'est eux qui le vendent, le terrorisme. Ils te mettent des mecs sous cacheton, ils en font des tueurs. Jean-Bernard Cardi en direct de Washington pour BFM TV. Allez, on va voyager maintenant, prends l'avion. Alors je vous dis Barcelone, Berlin, le Brésil, les Seychelles, ce sont en fait les premières destinations de la toute nouvelle compagnie d'Air France baptisée bon, June. Je vais finir ma quiche Sloane. Les jeunes actifs voilà. En particulier, précision de Magali Forestier.